Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Last Survivor, Zombie Survival. C'est un nouveau jeu qui vient de sortir sur Android pour l'instant. Je mettrai le lien de l'APK dans la description. Vous le voyez, le jeu il est en français, donc je pense que ça devrait pas trop tarder la sortie pour iOS. En attendant, c'est un jeu de survie classique sur mobile. J'ai pas spécialement joué, j'avoue que j'ai juste lancé le jeu pour voir si tout tournait bien. Le jeu m'a l'air ok. Allez sur l'écran d'artisanat. Ah, faut que je fasse des trucs là? Hein, faut que je fasse une hache pour aller couper du bois. Bon, on va faire ça. Donc ça m'a l'air plutôt classique. Il y a des zombies, il y a des espèces de donjons, il y a du lore, il y a des personnages qu'on va rencontrer et tout. Il y a pas mal de choses à faire. Nouveau départ, ok. Boîte aux lettres. Prendre l'arme. Attends, mais c'est quoi tout le stuff que ça m'a filé? Il est où là? Un nouveau départ, mais il est pas frais le nouveau départ. Hein. Explore un camp de réfugiés. Alors attends, est-ce que ça m'indique où est-ce que je dois aller? Non, j'ai juste des têtes de mort sur la map. La tête de mort, c'est juste qu'il y a un zombie? Souvent il y aura tête de mort du coup, non? Tout prendre. Additionnel ressources. Hack 20. Je paye 20 pièces. J'ai pas de hack. D'accord, calmez-vous. Je paye 20 pièces et ça me donne des ressources en plus? C'est quoi ce truc pay to win là? Ah, faut que je sorte de la zone. Ok, vas-y. Ok, bon, il y a déjà des packs. Ah, mais attends, mais c'est même pas. Je suis même pas sorti de la zone en plus qu'il y a déjà un pack. Les gars, vous foutez-nous sur le pay to win? Appuyez sur l'emplacement. Hop. Sera fermé. Mais on lit rien sur votre jeu là, c'est un enfer. L'emplacement expire après 28 minutes. Ah, c'est l'équivalent de l'avion sur Last Day. Bon, le bruitage du jeu par contre il est catastrophique. Hein. Alors il y a aussi un mode avec les FPS illimités. Mais là je clique dessus, je bouge, j'ai plus, je retourne en 30 FPS. Je sais pas comment le jeu marche, si le jeu marche, mais ça a l'air d'être un peu catastrophique quoi, pour le moment. Ok, je one-shot les mobs, ça change des loups ou des je sais pas quoi qui étaient à ma base, j'ai rien à loot. Je sais récupérer le coffre. Et l'animation est finie, on a même pas ouvert le coffre. Non, on va éviter de trop cracher sur le jeu. Le jeu vient de sortir. Il peut y avoir des petits défauts qui vont être réglés par la suite, des ajustements ou autres. Pour l'instant, ça m'a l'air assez classique. Attends, rempli. Ah, j'aurais peut-être dû vider mon inventaire avant de partir. Ouais. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça. Je le savais en plus, hein. Je m'en doutais. Bah, tout prendre, mais je peux pas. Donc là, attendez, faut que je parte. Ok, je peux juste mettre un croupi. Ah, mais on aura peut-être des compétences par la suite en mode. Comme d'autres jeux où tu peux peut-être courir, faire des roulades, ce genre de choses. Attends, mais. Mais en plus, la pub, c'est même pas quand je sors de zone. C'est-à-dire que tu peux être en train de te faire taper par des zombies. Et le jeu te dit, hé, hey, t'as pas de balles à lâcher là pour petit stuff et tout. T'es en train de te faire tuer. Et ça te balance ça. Génial. Non, attends, c'est quoi le truc que j'ai là? Ça c'est parce que j'ai level up. Alors, il y a quoi d'afficher? Pas il y a quoi dans le jeu, il y a quoi d'afficher? Arme d'assaut, fusil sniper, casque de combinaison anti-bombe, casque militaire, armure d'élite, pantalon d'élite. Alors, il n'y a pas grand chose, mais si le pas grand chose qui est là est faisable entièrement, je préfère ça à ce qu'il y ait beaucoup de choses et que la moitié ne serve à rien ou que tu puisses pas t'en servir. On va retirer tout. J'ai peut-être gardé le. Peut-être garder le flingue sur moi, non? Ah, mais attendez, mais il y a même des boîtes là dans ma base. Ah, ça, je peux le réparer, tour de guet. Prendre la poitrine. D'accord. Ah, parce que c'est chest, et chest pour eux, c'est aussi. Je vous le dis à chaque fois, les gars, mais. L'anglais, les américains ont très peu de mots de vocabulaire, du coup, pour nous, le mot coffre, poitrine, eux, c'est chest. C'est un seul et même mot. Récompense journalière, mise à niveau. Mise à niveau de quoi? Merci. Il y a des fois, je vous jure, dans les jeux, il faut, ça coûte rien de d'expliquer un peu, de rajouter une icône x2 ou un, pourquoi la map est déconne autant. Non mais le jeu avait l'air bien. Je vous jure que le jeu avait l'air bien. Attends, mais j'ai coupé le. Non, musique 100% et son 100%. Et bon, on a plus de son. Hein. Et ben, vous considérez que vous êtes puni. Considérez que vous êtes puni et que vous n'aurez pas de. Oh, il y a une box mystère. Interactif avec des caisses et collecter des articles. Interactif avec des caisses et collecter des articles. Mais je peux quand même l'ouvrir là, non? Ah, il y aura peut-être rien dedans, c'est ça l'histoire, non? Additionnel ressources. C'est quoi ce bail de t'ouvre un coffre et le jeu te dit, hé, hey,
Tu veux pas pay to win pour. Après, peut-être que les pièces on peut les obtenir en free to play. Faudrait voir dans le shop. Attends, mais mon inventaire il est déjà plein. Hein. Et attends, je peux regrouper ça? Yes. 2 secondes, dans le shop. Pièces. Non, les pièces c'est bien payant. Hein. C'est bien payant. Hein. C'est quoi cette douille? Toi tu meurs. Toi tu meurs. Je prends un peu d'XP donc en vrai on va pas hésiter à les tuer même si je suis pas sûr qu'il faille vraiment que j'utilise cette arme là. Le jeu se fout de ma gueule parce que là je vais juste passer mon temps à faire des allers-retours à la base, non? Rentrer chez soi. Bon, on va juste rentrer chez nous, on va arrêter de chercher à looter ce qu'il y a alors que juste si je le fais en 2 minutes j'ai niqué toute mon énergie. On sort comment de... D'ici, puisque mettre des points de sortie c'est bien, mais si on peut pas sortir, c'est pas bien. Du coup, je passe par là, d'accord. Et là, si je pouvais faire le tour, et ben je ne peux pas faire le tour. Alors, attendez, la map elle est affreusement mal foutue, non? Comme l'impression que la map était vraiment dégueulasse. Est-ce que je peux bouger autour? Ah non, mais c'est pas si grand que ça en fait. C'est pas si grand que ça. Attends, je peux aller en bas là? Non. J'ai cru. Donc attends, là il y a une zone où je peux aller. Peut-être trouver. Ok. Ah, ça faut que je le fasse à ma base. Ça aussi. Et ça aussi, d'accord. En fait, j'aurais dû mémoriser ce qu'il fallait pour la tour de guet que du coup, bon, on peut pas construire. On peut pas construire parce que je crois qu'il me fallait un truc qui ressemble à des tuiles ou je sais pas trop quoi. Et aller sur l'écran d'artisanat. Ah mais là j'ai pas le choix du coup. Fabriquer. Ah sinon je peux le faire gratos pour une pub. Ah pas pour tout. Ah, juste pour les trucs de merde en mode t'es dans la dèche et tout. D'accord. Explorer la vallée des pierres. Explorer la vallée des pierres. Attends, on va sortir. Peut-être ramasser du. Non parce que quand je gagne un level, je me soigne entièrement. C'est quoi le point d'interrogation là? C'est quoi le point d'interrogation ici? Il y a rien sur la map. C'est quoi cette merde? Le jeu est bizarre ou c'est moi? C'est moi qui suis peut-être bizarre. C'est comme on est dimanche. Que ça fait plusieurs jours que j'ai pas fait de vidéo ou quoi parce qu'il y avait Once Human et que j'ai un peu geek dans mon coin. Peut-être je suis un peu déconnecté de la réalité là. Offre limitée pour survivre dans les zones désolées. Mais vous pourrez arrêter de me faire chier dès que je rentre dans une zone avec un pack qui en plus. Mais le pack ne se ferme même pas, hein. Alors j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, c'est que. Bah, en fait, la zone elle est buggée. Et qu'en fait, bah, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que là, peu importe où je clique, ça fait 3 fois que je relance le jeu, que je me prends la tête. Je peux retourner à la base, mais. Bah, en fait, je peux pas avancer dans le jeu. Donc, je ne peux rien faire. La zone est buggée. Donc là, peu importe que je vais cliquer, j'ai tout essayé, j'ai redémarré le jeu je sais pas combien de fois. Mais en fait. Et bah écoutez, vous aurez juste une démo du jeu. Si le jeu vous plaît, vous revenez dans. Après, peut-être que le souci c'est l'émulateur, mais en vrai, je pense pas. Je pense pas, parce que là c'est juste, je suis Freeze de chez Freeze, et il n'y a pas de truc ou quoi où je peux regarder, donc je pense que c'est juste un bug de merde. Et peut-être que quand la vidéo sortira, le bug aurait été réglé, ce qui m'étonnerait fortement, mais en tout cas, bah, pour moi, l'aventure s'arrête ici. Peut-être que pour vous, vous pourrez aller du coup un peu plus loin, explorer des zones, farmer, faire. On n'a même pas fait la base au final, parce que du coup, on n'a rien débloqué. Et que bah là, je peux rentrer à ma base, mais je peux pas aller dans la nouvelle zone. Donc, je peux juste genre level up à ma base et ça va s'arrêter là. Et du coup, c'est pas giga intéressant, quoi. Clairement, on a connu mieux en termes de gameplay. Mais du coup, bah, je vous abandonne là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que la vidéo, que le jeu, quand même, vous aura plu. J'espère que si vous le testez, pour vous, ça marchera. Peut-être ça marchera pas. Après, j'ai joué 10 minutes, donc c'est pas non plus beaucoup de temps de perdu, mais ça fait quand même un peu chier quoi. Donc voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, c'est salut, bye bye.